dit lourd et mon âme t'adore et mon âme dit lourd car nul comme toi. Je te chante nouveau qui monte dans mon corps un cantique d'amour. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je ne pleure pas de rien, je ne crains plus rien. Le bon berger est de mon côté. Même le ténèbre n'a plus aucun pouvoir sur moi. Car la guerre de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand tu me tiens ta main, s'y retrouve parti, lui seul m'en suffit, lui c'est tout pour moi, car j'en sais comment dire, je m'aimais à chanter. Ses emportants font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, papa, papa. Regarde bien, je l'aurais duré. Lui seul je m'aimais, vas-y, chante avec moi. Éternel le bon, éternel le bon, éternel le bon. Il est bon, il est bon, éternel le bon, éternel le bon, il est bon pour moi, éternel le bon. Seigneur, je veux t'adorer.
voulais chanter. Seigneur, je veux te chanter. Je veux te louer. Alléluia, je veux t'adorer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est dénommée La Profondeur. Merci de nous être fidèles de partout où vous nous suivez, partout sur GED Télévision. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement pour ne rien rater, certainement dans votre chaîne. Nous démarrons dans La Profondeur avec un homme de Dieu qui est un invité très spécial dans cette émission. Avec lui, nous allons certainement parler de la parole de Dieu, nous allons parler de l'actualité de ce qui concerne tant soit peu au niveau de la politique congolaise en République démocratique du Congo et également ailleurs, ce qui se passe avec les hommes de Dieu et quelles sont les qualités qu'un homme de Dieu doit avoir et comment être appelé un homme de Dieu. Nous allons échanger certainement avec un grand homme. Je ne vais pas le présenter, je crois qu'il va se présenter lui-même. Et j'aimerais simplement inviter cet homme de Dieu de venir nous rejoindre sur ce plateau. Avec lui, nous allons démarrer certainement l'émission d'aujourd'hui. Sous vos applaudissements, je voudrais que nous recevions aujourd'hui cet homme de Dieu qui fait son entrée certainement dans la mission de la grandeur. Nous recevons ce grand homme de Dieu qui est venu spécialement aujourd'hui. Bonjour, homme de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se mettre? Merci. Bienvenue, homme de Dieu. Merci. Nous démarrons cette émission, mais avant tout, nous voulons ce que vous puissiez vous présenter, parce que moi, je ne voudrais pas vous présenter. J'aimerais que vous les fassiez vous-même à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. De savoir réellement qui avons-nous reçu sur ces plateaux. Bien, merci. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu qui nous garde en vie malgré tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et je voudrais dire merci à ces merveilleuses voix que j'ai entendues. Ça m'a fait, excusez-moi l'expression, la chair de poule. Et c'est ce que j'aime pour que je puisse bien parler de la part du Seigneur. Voilà, je suis, je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent savoir, mais je m'appelle Martin François Ndongala et j'ai deux autres postes noms. Je suis né ici à Kinshasa en 1964, le 7 janvier, à l'hôpital général, actuellement l'hôpital Mamayemo. Je suis aidé d'une grande famille, et je fais mes études ici jusqu'au niveau de graduat et puis je suis allé continuer mes études en Chine. J'ai fait 3 ans et demi en Chine des études économie et administration des entreprises et donc je parle chinois et après les 3 ans et demi en Chine je suis allé en Allemagne où je suis arrivé le 25 janvier 1900 le 25 janvier 1989, je suis arrivé en Allemagne. Donc, depuis le 25 janvier 1989 jusqu'à aujourd'hui, je vis en Allemagne. Donc, je n'ai vécu à Kinshasa que 22 ans. Et depuis l'âge de 22 ans jusqu'à aujourd'hui, je vis en Allemagne. Je suis marié à une Congolaise aussi. Et nous avons 4 enfants, 2 garçons et 2 filles qui sont tous aussi à. Ils font autre chose, d'autres études, mais sont très engagés dans les choses de Dieu. Je me suis converti en 1981, mais avant cela, je suis un enfant de l'Église. Donc depuis l'âge de 6 ans, mes parents m'ont conduit à l'Église, d'abord à l'Église kimbanguiste, de par
ma religion, ma tribu. On est allé à l'église kimbanguiste. Je chantais dans la chorale des dirigeants kimbanguistes. J'ai joué dans le groupe des guitaristes kimbanguistes. Mais après, je suis allé continuer des études chez les pères jésuites. Tout ça avant de quitter le pays. Et là, j'ai été aussi très actif. Les prêtres ont voulu faire de moi un prêtre. Mais mon père m'a pris pour m'amener dans une autre école, à l'internat, à Sonabata. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et je suis revenu à Kinshasa. J'ai travaillé dans la jeunesse pour Christ de la paroisse presbytérienne de Lemba, où j'ai encadré une grande chorale qu'on appelait la chorale Gloria. Et de cette chorale sont sortis des enfants tels que Franck Moulaja, Henri Papa, Francis Kalala, les Mireille Sompé, beaucoup de grands musiciens chrétiens. Ce sont des enfants que j'ai encadrés dans cette chorale-là. Et en 84, 2 ans avant que je ne quitte Kinshasa pour aller en Chine, Dieu nous avait appelés et nous avons commencé ce que nous avions appelé le ministère international du groupe Réveil. C'était un orchestre chrétien qui jouait la rumba zaïroise à l'époque, et au travers de cette musique, nous invitions les gens, les jeunes, à venir écouter cette bonne musique. Et plus ils étaient là, et il y a un orateur qui prenait la parole, généralement les frères du Campus pour Christ à l'époque, ce sont eux qui prêchaient, et tous ceux qui étaient gagnés à Christ, ils étaient envoyés dans différents groupes. Et tout cela s'est passé à Lemba, avec particulièrement le frère Pépé Kibala, sa femme et bien d'autres, mon jeune frère, la sœur Rita Lusambulu et beaucoup d'autres sœurs et frères qui sont ici et d'autres sont en Europe. Voilà. Ok, merci. En vous écoutant parler, vous avez parlé de votre parcours, certainement, et il y a quelque chose qui m'a attiré. Au-delà du fait que vous étiez à l'église kimbanguiste, etc., par-ci, par-là, vous venez de dire qu'après vous avez reçu le Seigneur Jésus. Ouais. Alors, être à l'église kimbanguiste, être dans l'église catholique, puisque les prêtres voulaient faire de vous déjà un prêtre, c'est-à-dire quelque part ils voyaient quelque chose des dieux, si il faut que je le dise ainsi. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'après toute cette démarche-là, le parcours que vous avez eu avec toutes ces personnes, eh bien, vous tombez automatiquement en disant que vous avez reçu le Seigneur après. Donc, tous ceux qui étaient là, ce n'était pas un appel, ou qu'il y avait un autre appel très spécial que vous avez reçu après? Alors là, je me rends compte que vous m'avez suivi avec beaucoup d'attention. Effectivement, je vais parler de mon expérience. Pour moi, l'Église, c'était la chorale, la musique. Pour moi, l'église, c'était l'un des plus beaux lieux où je me réjouissais comme nulle part ailleurs. Hein? Parce que j'ai joué au foot, j'ai fait le karaté pendant plus de 11 ans, mais il n'y a aucun endroit où je me sentais bien comme à l'église. Mais il y a une particularité, que ce soit l'église catholique ou chez les pères jésuites où j'ai étudié, j'avais mis accent dans la notion d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Pour moi, je servais Dieu, j'aimais Dieu. L'éducation et la sévérité de mon père a fait que je n'allais jamais ni dans les bars, je ne fumais pas, je ne buvais pas et tout. Donc, ben voilà, pour moi, j'étais un chrétien. Mais quand je suis arrivé à Sonabata, là, j'ai rencontré des frères et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui me manquait. Il y a quelque chose que je faisais, mais que je ne comprenais pas bien. Et au travers des exhortations, des prédications que j'écoutais, surtout de la part de nos frères aînés qui nous encadraient, alors un jour, je me suis décidé d'aller voir un frère qui s'appelle frère Paku Changu. Il est maintenant pasteur aux États-Unis. Il était à l'époque frère, il était en 6e pédagogique. Nous étions 5e scientifique ou 4e scientifique biochimie. Je suis allé le voir et je lui ai posé la question. C'était vers 21h pour lui poser la question si j'étais né de nouveau. Parce que je ne comprenais pas trop cette notion-là. Moi,
c'est quoi ça, naître de nouveau? Je ne fais pas ce que tous les jeunes font. C'est vrai que je m'habille comme tous les jeunes, mais tout ce que les jeunes font, je ne le fais pas. Et moi, je suis à l'église. Bon, c'est quoi ça, être naître de nouveau? Je lui ai posé cette question, il m'a expliqué, et j'ai compris que j'étais très religieux, j'étais très pieux, mais je n'avais pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai parlé d'accepter le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Vous avez parlé ici en disant que avant vous n'étiez pas né de nouveau. Non. C'est-à-dire, vous partez à l'église, vous priez et tout ça. Très engagé en plus. Très engagé, vous chantez, vous adorez les seigneurs. Je dirigeais les chorales. Vous dirigez les chorales, mais sans connaître qui était Jésus. Non, personnellement non. Je savais que c'était l'enfant de Dieu, il est mort sur la croix, il nous a fait du bien, on le sert et puis c'est bon. Mais faire cette rencontre personnelle, je ne connaissais pas ça, je n'avais jamais entendu parler. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement qui est Jésus pour vous? Mais Jésus, pour moi personnellement... Ouais. Et puis le fait de naître de nouveau, puisque là on voudrait savoir être né de nouveau, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut, il y a des gens qui peuvent se dire, ben, écoutez, moi je suis à l'église, je prie, j'ai mis l'offrande, je fais tout ce qu'il faut faire, mais écoutez, être né de nouveau, ça c'est une autre matière, c'est aujourd'hui que j'entends cela. Jésus, être né de nouveau, on peut recevoir Jésus sans être né de nouveau, ou on peut connaître Jésus sans être né de nouveau, ou on peut naître de nouveau sans connaître Jésus. Toutes ces questions-là, quelqu'un voudrait en savoir un peu plus? Ben, c'est une très bonne question, une question capitale. Malheureusement, je fais moi-même aussi le constat que parfois on tombe dans le piège de prêcher des grandes révélations, des grands messages de la Bible, et parfois on passe aux côtés de l'essentiel. Parce que la base, c'est quoi? La base, c'est connaître Christ, engager une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus, et ainsi on est né de nouveau. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, la Bible va dire quoi? La Bible va dire qu'il y a un homme qui s'appelait Nicodème. C'est pourquoi j'ai souligné le fait que j'étais allé à 21h, parce que je m'appelle parfois Nicodème à cause de ce fait-là. Je dis toujours que je suis un Nicodème, je suis allé vers Jésus la nuit. Et il était docteur de la loi, il maîtrisait, quand la Bible parle de la loi, il parle de, n'est-ce pas, de Pentateuch, hein, de 5 livres de Moïse, il parle de prophètes, la loi, mais il était docteur dans cela. Tout à fait. Mais Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Mmh. Tu vois, c'est une réponse, c'est une question qui a bouleversé tout un docteur de la loi. Et il a posé celle que moi j'appelle la plus bête question de la Bible. Il posa la question à Jésus, dois-je rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Tout à fait. Ouais. Donc toute ta question repose sur la même question de Nicodème. Il n'est pas de question de rentrer dans le sein de sa maman, mais il est question de comprendre que Dieu avait besoin d'une famille. Il y a eu tout un processus, des processus qui n'ont pas réussi. Et le dernier processus, c'est que Dieu a pris le corps humain et il est venu comme un fils, mourir à la croix à ma place. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il a pris ma place, moi qui devrais être condamné, moi qui devrais mourir, moi qui devrais aller dans la souffrance éternelle, Christ a pris ma place, hein, et j'aime beaucoup insister, il n'a pas été fait pécheur, mais Christ a été fait péché, et il a été cloué à la croix, maudit soit celui qui croit à la croix, à ma place, et tout cela, je ne connaissais pas ça. Et donc, il a pris ma place, et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'entendre, de reconnaître, d'accepter et de m'engager dans cela. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 11, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Le verset 12 dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que je faisais à l'église qui m'aguiste, à l'église catholique, chez le père jésuite, ainsi de suite, partout je voyageais, dans beaucoup de chorales m'invitaient, soit pour diriger la chorale, pour jouer la guitare. Je faisais des bonnes choses, mais j'étais en dehors du plan de Dieu. Ouais, j'étais en dehors, je faisais un travail dans le noir. C'est-à-dire, je travaillais dans une entreprise où je n'avais jamais signé le contrat. Mais maintenant, quand on accepte le Seigneur Jésus,
on se met en ordre. C'est-à-dire, on est engagé, on a compris, on est là. Le verset 13 dit, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de l'esprit. C'est une naissance à l'esprit. Donc la nouvelle naissance n'est rien d'autre que, quand nous venons par la chair, par le voie de nos parents, je vous ai dit, je suis né le 7 janvier, ça c'est naître dans la chair. Mais il me faut encore naître en esprit, et cela ne passe que si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais déjà dès le départ inviter quelqu'un qui aime Dieu, qui ne fait pas de mal, peu importe, même si tu es le plus grand bandit de ton quartier, mais si aujourd'hui tu décides de donner ta vie à Christ, tu deviens enfant de Dieu. Et laisse-moi dire, je suis professeur de beaucoup de cours d'ecclésiologie, d'escatologie dans les écoles bibliques à Paris, en Allemagne. J'ai moi-même une école biblique. Je suis, par la grâce de Dieu, apôtre. J'ai été ordonné par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui est mon père spirituel et qui m'a ordonné. Mais je vous dis que la plus grande relation qu'on peut avoir avec Dieu, c'est la relation de père et fils. Dieu n'attend pas les apôtres, les prophètes, mais Dieu cherche d'abord ses enfants. Quel bonheur que d'être enfant de Dieu. Merci beaucoup. En vous écoutant parler, c'est comme si vous nous disiez, s'il faut le dire ainsi, qu'il n'y a pas de si grande joie que d'être enfant de Dieu. Il n'y en a pas. On a des gens qui ont des moyens, qui ne connaissent pas les seigneurs. Et ils roulent en carrosse. En les voyant, on s'est dit, ben, ça c'est les ciels déjà. Est-ce que ces gens-là vivent ce que vous vivez? Est-ce qu'y a-t-il une différence entre le fait de ne pas connaître les seigneurs, mais d'avoir tout, et le fait de connaître le Seigneur Jésus, mais de ne rien avoir, mais de prier comme certains le font? Il y a une différence là-dessus. Mon père a eu beaucoup de problèmes à se convertir parce que depuis l'âge de 25 ans, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, des immeubles, des voitures, on comptait à une douzaine de voitures dans la maison. Il était l'un des membres influents de l'équipe Imana à son temps. Et tous ces biens-là, et toute cette richesse-là a fait que nous avons grandi sans connaître les difficultés dans la vie, jusqu'à une certaine époque. Mais justement, parfois quand je parlais à mon père, ou même à l'un de mes professeurs, que je me rappelle encore bien, je ne sais pas s'il est en vie ou pas, il s'appelait Kadi Mampata, il louait une de nos maisons, il était professeur à l'université, nous donnait la logique mathématique, je crois, un grand informaticien. Quand on leur parlait de Jésus, ils disaient, maintenant je vais accepter Jésus pour qu'il me donne quoi? Mais c'est la question que certaines personnes se disent. Hein? Qu'il me donne quoi? J'ai l'argent, j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai ceci, cela, et que vos pasteurs là n'en ont pas, et blablabla, tu vois. Et le professeur me disait même, j'ai même trois femmes. Je suis le meilleur informaticien, personne ne sait jongler l'ordinateur comme moi à l'époque. Et ça, c'était vrai. Il dit, bon, Martin, je vais prier pour que Dieu me donne quoi? La Bible dira que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tout à fait. Ouais. Et tout ce que nous voyons là dehors, les gens avec des belles voitures, des belles maisons, ça c'est l'apparence extérieure. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent au fond d'eux. Je connais beaucoup d'amis, beaucoup de frères. Ils sont dans le Sénat, ils sont dans le Parlement, ils ont été, et ainsi de suite. Mais qui, quand vous les rencontrez, ils vous disent, Martin, nous vous envions. Vous n'avez peut-être pas tout le standing que nous avons, mais vous rayonnez de joie, vous rayonnez de paix. Mais nous, on a des tourments juste à cause de tous les éléments qu'on a. Je préfère être, d'ailleurs pour moi, c'est ma prière, je veux être excessivement riche, mais avec le Seigneur, que être riche sans le Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce que l'argent, les richesses, les belles femmes, les beaux maris, les belles maisons ne donnent jamais la paix. Croyez-moi. Pour vous, il n'y a pas de paix, de joie sans Jésus. Il n'y en a pas. Il y a le plaisir, mais pas la joie.
Merci beaucoup. Vous avez dit que vous avez fait pratiquement 22 ans à Kinshasa, si je me trompe, 22 ans à Kinshasa. Non, j'ai quitté Kinshasa quand j'avais 22 ans. Okay. Maintenant, j'ai 57 ans. Ça veut dire 57 moins 22. Non, vous calculez mal. Ça fait 35 ans que je suis. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, comment je ne parais pas avoir 57 ans quoi. Non, mais je ne sais pas si. voilà, donc vous êtes. Comment dirais-je, si jeune, s'il faut le dire. Merci, c'est l'onction qui m'a gêné. Merci beaucoup. Ceux qui veulent, ceux qui vous nous suivent aujourd'hui sur cette chaîne de JVD Télévision, veulent aussi savoir si, quand même, vous, au-delà des langues que vous parlez, tout ça, je ne sais pas si vous avez déjà oublié de parler les Lingala, ou vous en maîtrisez encore, parce qu'il y aura certaines questions que nous vous poserons certainement en Lingala. Je suis quelqu'un qui croit trop dans le fait que je sois noir. Je suis quelqu'un qui croit trop aux valeurs culturelles liées à mon identité, que je n'ai pas choisie, mais que Dieu a choisie pour moi. J'ai honte de parler six langues. Je parle six langues, mais dans les six langues, il n'y a que le Lingala. C'est le chinois, l'allemand, l'anglais, le français. Je ne maîtrise pas le Tshiluba, le Swahili. J'ai honte de ça. Je voulais tout dire, tout simplement dire, je parle Lingala, je parle Kikongo pas trop bien, mais j'aimerais encore connaître nos langues. Je suis resté un bon Africain, un bon noir. Parfait. Parlons toujours du Seigneur, puisqu'on va aborder aussi certaines questions. Qui auront lieu à la politique, à tout ce que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Parlons maintenant des hommes de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, il y a ceux qui veulent recevoir les seigneurs, qui ont cette envie même de recevoir les seigneurs. Mais le fait simplement de voir ce que sont les hommes de Dieu aujourd'hui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à donner leur vie à Jésus-Christ. Alors, quelles sont les qualités qu'un homme de Dieu doit avoir pour influencer sur ceux qui veulent devenir des enfants de Dieu? Et on a déjà vu des gens qui disent, ben, je ne peux pas partir à l'église puisque cet homme de Dieu que je pensais être un modèle pour X ou Y, mais quand nous regardons sa vie, ce qu'il fait, ça ne reflète pas ce qu'il dit. Puisqu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui savent très bien parler, qui savent très bien philosopher, qui maîtrisent même la parole de Dieu, les Écritures, et certains qui ont même gobé la Bible. Mais la manière de faire les choses, elle est tellement différente qu'on s'est dit, c'est outre ce que nous attendons d'eux. Alors, quelle est la qualité de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu doit avoir pour influencer sur ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus? Merci beaucoup pour la question. Vous allez me permettre de dire un certain nombre de choses. Premièrement, moi, de par déjà mon éducation, j'ai beaucoup de respect pour tous les aînés, naturels ou dans le ministère, quel que soit leur comportement, quel que soit leur niveau social, j'ai beaucoup de respect envers les aînés. Deuxièmement, quand on parle des hommes de Dieu, je ne vais pas entrer dans la profondeur de l'écriture pour expliquer que ce ne sont que des hommes qui ont eu la grâce de pouvoir devenir des instruments que Dieu utilise dans le niveau ministériel. Et je vais peut-être choquer certains en disant que parfois Dieu laisse certaines faiblesses dans la vie de ces hommes. Il permet aussi que cela voie pour qu'il ne soit jamais comparé à Dieu lui-même. Quand tu regardes l'Ancien Testament, je vais te parler de qui j'ai, de Samson. Samson, son nom veut dire petit soleil. Ouais, il avait cette tresse et ainsi de suite. Et il a fait, il est allé chez une prostituée. Dieu n'a pas retiré ses tresses. Il est allé chez Delilah. Hein, et puis là, il a perdu ses tresses. Là, ça veut dire que Dieu ne se révèle pas de ses grâces, c'est ce que vous voulez me dire. Ouais, je sais ce que je suis en train de dire. Il est allé chez une prostituée, ses tresses étaient restées. Il est allé chez Delilah et ses tresses sont parties. Mais le vrai soleil, c'est Dieu lui-même. Il fallait que ce qui était arrivé dans la vie de Samson, quelque part, arrive pour qu'il ne soit pas comparé au véritable soleil. Mais cela ne veut pas dire que j'encourage
les erreurs, les faiblesses ou le mal que nous tous, en tant qu'humains, nous faisons ou que nous pouvons faire. Troisièmement, je crois que l'onction ne combat jamais l'onction. L'onction, si on a une véritable onction, une onction authentique de Dieu, je ne peux pas combattre une autre personne qui a la même onction, dont l'émanation de son onction est la même que moi. Qu'à cela ne tienne, l'apôtre Paul va dire deux choses très importantes. Il dit que je combats et je tiens mon corps assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché à plusieurs, après avoir prêché à plusieurs autres personnes. Ça, c'est de un. Et de l'autre côté, il va dire, j'aimerais que vous soyez mes imitateurs tels que moi je le suis de Christ. Donc, ceux-là que les gens voient qu'ils font des erreurs, mais si on doit citer les noms, je crois que vous me citerez le nombre de noms que vous allez me citer sont très peu nombreux, trop peu par rapport au nombre de tous ces hommes de Dieu que vous ne connaissez pas, qui se comportent bien, qui ont leur faiblesse aussi, qui ont leur manquement, mais qui n'est pas étalé devant tout le monde, qui sont bien, qui sont des beaux exemples. Si vous me citez les noms, vous allez me citer 5, 10, 15, 20, 30, 50 noms, mais par rapport au nombre de dieux qui sont sur place, voilà. Donc, il n'y a pas photo. Quelles sont les qualités que nous devons avoir? Parce que je ne vais pas prétendre être mieux que les autres. Quelles sont les qualités que nous devons avoir? La première et la plus grande qualité. Tout ce qui est fait en dehors de l'amour ne sert à rien. J'ai même dit que je préfère que quelqu'un accepte le Seigneur Jésus par un message d'amour, qu'il accepte le Seigneur Jésus après que j'aie bombardé un message. Si tu vas aller en enfer, vous allez mourir dans les temps de feu. Ils vont accepter le Seigneur par peur. Je préfère le message de l'amour. C'est le plus grand et le plus beau et le plus puissant message de la Bible. Au-delà de la sanctification, de la justification, de la repentance, le plus grand message, c'est l'amour. Quand quelqu'un expérimente, même dans la vie normale, tel que vous êtes là, si quelqu'un ressent que moi, Martin, je l'aime, c'est fini. Il y a des choses qu'il peut arrêter de faire juste parce que je ne vais pas blesser Martin. Il m'aime beaucoup. L'amour. Deuxième qualité, moi, quand je ne vois pas ça dans un homme de Dieu, un peu dans mon cœur, je t'écarte un peu. C'est l'humilité. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse être grand sans humilité. Tout à fait. Plus on devient grand, plus on devient humble. Que ce soit dans le domaine des miracles. Avant de venir ici, j'ai eu un culte spécial chez moi à l'église, en Allemagne. Mais quand tu vois les choses qui se passent, tu te dis, c'est pas moi. C'est pas moi, ça ne vient pas de moi. C'est pas ma force. Et quand on prend conscience de cela, on devient faible. Mon père, l'apôtre Léopold Moutomboka Lombo, disait ceci. On était avec lui un jour, chez lui, en Afrique du Sud. On passait quelques temps, je suis allé, il a dit, Martin, viens. Je suis parti de l'Allemagne, j'étais en Afrique du Sud, je suis allé lui rendre visite. On a passé le temps, on passait, on causait, on jacassait, comme disent les Canadiens. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il a dit, Martin, façon à comique au Bananzambe, et l'équipe n'a pas de Bananzambe, il est là. Parce que dans mon imakamo, Zambazo Sala, comme on peut s'en somo, donc, et ça fait paf dans ma tête. C'est-à-dire, plus tu deviens grand, plus tu montes, plus tu deviens puissant, plus tu réalises que ce n'est pas moi. C'est Dieu. Et quand on réalise que c'est Dieu, tout ce qu'on peut manifester, c'est l'humilité. C'est de l'humilité. Troisièmement, tout homme de Dieu doit être un serviteur. Donc on peut être homme de Dieu sans être un serviteur. Tout serviteur n'est pas un homme de Dieu. Mais il n'y a pas d'homme de Dieu qui ne soit pas serviteur. Je répète. C'est très philosophique. Tout serviteur n'est pas un homme de Dieu. Mais tout homme de Dieu
doit être un serviteur. Est-ce que Christ était un serviteur? Absolument. Tout l'évangile selon Marc présente Christ comme serviteur. L'évangile de Jean présente Christ comme Dieu. L'évangile Saint-Luc présente Christ comme un homme social, un homme, fils de l'homme, naturel. Et l'évangile Matthieu présente Christ comme étant le roi des Juifs, pas des autres, mais des Juifs. Cette particularité-là. Je parlais des qualités de l'homme de Dieu. En dehors du fait qu'il ait de l'amour, qu'il soit humble, qu'il soit un serviteur, moi je pense aussi que un bon serviteur de Dieu, un bon homme de Dieu doit être un homme sociable, un homme qui est proche des autres autant qu'il peut. Hein? Nous connaissons, il y a des gens, quand tu lui donnes le doigt, il prend toute la main. Tout à fait. Tenant compte de toutes ces réalités, mais il doit être un homme de tout le monde. Il doit être un homme qui est prêt à être que tout le monde peut consommer. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo priait pour moi, et dans sa prière, il a dit, c'était en 1996, quand il priait, il dit: Seigneur, Martin est devenu un pain que tout le monde doit manger. C'est-à-dire, nous devons être prêts à être consommés par tout le monde, non pas par une certaine classe de gens, mais nous devons être consommés par tout le monde. Nous devons être prêts à servir tout le monde, à répondre à tout le monde, à accepter tout le monde, à aider tout le monde. Ouais. Et d'une manière générale, nous devons nous battre, comme disait l'apôtre Paul, pour avoir un bon témoignage. Merci beaucoup. Qu'on ne nous trouve pas dans ce qu'on nous accuse. On nous accusera toujours, mais qu'on ne nous trouve pas là-dedans. Si on nous retrouve, on demande pardon en avance. Parlons de l'humilité, puisque là, ça m'a attiré. Qualité d'un homme de Dieu, il doit être humble et tout ça. Mais nous savons, nous voyons aussi certains hommes de Dieu ou hommes de Dieu qui ne sont pas approchés par certaines personnes, même par d'autres serviteurs de Dieu, puisqu'ils savent que tel ne peut pas venir dans mon église, puisque dès qu'il arrive dans mon église, dès qu'il vient dans mon église, c'est autre évangile qui va prêcher, ou ils craignent que ses disciples ou ses fidèles partent. Et donc, et ça crée de la jalousie, et certains ont commencé même à s'entretuer, entre eux, avec le poison et tout ce que nous voyons. Alors, est-ce que cette humilité-là que vous vous demandez, que vous voulez que ça soit des qualités des hommes de Dieu, peuvent aujourd'hui résoudre à tous ces problèmes, ou comment faire qu'est-ce que des hommes de Dieu peuvent faire pour éviter tout ce qu'il y a comme le couac, de la haine, etc. Parce que certains se disent, par exemple, que moi je ne peux pas approcher X. Déjà, en le voyant de loin, je sais qu'il n'est pas humble. Je ne peux pas lui donner mon cher, je ne peux pas l'inviter chez moi à l'église. Et donc, comment faire pour que qu'un homme de Dieu soit attiré par l'humilité envers toutes les personnes, qu'on évite ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, voilà. L'humilité, ce n'est pas le fait de s'habiller simple. L'humilité, ce n'est pas le fait de rire avec tout le monde. L'humilité n'est pas le fait de manger à même le sol et tout. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est une attitude de cœur qui me montre que je peux apprendre de ma fille Esther, que je peux apprendre de mon fils. Cette prédisposition du cœur qui m'amène à considérer l'autre comme étant supérieur à moi. C'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas s'habiller simple. C'est vrai que ça, c'est être modeste, ça, c'est être simple. Mais l'humilité, c'est une attitude de cœur qui me permet de dire, je peux écouter l'autre. L'autre, je peux apprendre de l'autre. Il n'y a pas que moi. Est-ce que vous, dans ça, vous pouvez peut-être voir quelqu'un prêcher ailleurs et tout ça, et vous vous dites, je veux aller vers lui pour soit entre guillemets apprendre, ou pour demander une collaboration, ou je voudrais prêcher dans son église. Est-ce que vous pouvez le faire, parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui ne le font pas? Moi je le fais. Il y a des hommes de Dieu que j'écoute qui sont pour moi un modèle. Il y a des hommes de Dieu que j'écoute. Enfin, quand je prépare par exemple un grand séminaire, il y a des hommes de Dieu que j'écoute. Alors, dans mes préparations, je prends un, deux jours où je n'écoute que ces serviteurs de Dieu-là. Si j'ai une campagne de réveil, des réunions de puissance, j'ai des hommes de Dieu. Quand je fais mes préparations,
dans mon programme de préparation, il y a des hommes de Dieu que j'écoute, que je regarde, hein, dans le cadre de ma préparation personnelle. Et il n'y a personne qui connaît tout sur la terre. Donc, du coup, il y a, quand on a besoin, moi j'appelle, même de l'Europe, j'appelle ceux-là qui sont ici en Afrique, qui sont liés, avec qui je suis lié, je peux appeler, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Est-ce que je peux comprendre? Ou alors en Europe. Il y en a beaucoup d'autres qui m'appellent aussi. D'ailleurs, ma femme, et parfois elle rit en disant, il ne faut pas de foutre ça bat, toi. Parce que généralement, les vendredis, il y a beaucoup de serviteurs qui m'appellent, mais apôtre, est-ce que tu peux m'aider? Je vais parler de tel thème. Est-ce que tu peux me donner quelques idées? Et parfois, les vendredis, je travaille des prédications de 3-4 personnes venant du Gabon, venant d'ailleurs. J'ai beaucoup de plaisir à cela. Moi-même, je le fais également. Mais il y a une chose que je ne ferai jamais. Je ne peux pas demander d'aller prêcher quelque part. Ça, je ne peux pas. Quelqu'un dira que c'est de l'orgueil. Moi, je dirais que c'est le manque. C'est le manque de respect ministériel. Je ne peux pas venir vers toi et te dire, je vais venir prêcher chez toi à l'église. Non. Moi, je trouve ça, excusez-moi, mais c'est rabaissé. Mais Christ dit aller partout dans les bonnes fêtes et mes nations, mes disciples. Vous pouvez peut-être dire, ben, je veux prêcher dans votre église, puisque non, le Seigneur m'a poussé à... Aller partout dans le monde, ben, je peux aller sortir. Je peux sortir là et je vais prêcher là dans le bus. Mais pas dans un ministère qui est déjà organisé et je viens m'improviser pour dire je vais prêcher ici. Est-ce que vous pouvez me permettre de prêcher ici? Ça ne marche pas comme ça. Moi, quand tu m'appelles pour dire Thomas, Nengenini, est-ce que vous avez été à Panayo? Je vais te répondre gentiment. Mais moi, tu fermes mon cœur. Parce que ça m'inquiète. Pourquoi tu veux venir prêcher chez moi? C'est un problème d'enseignement, de soubassement. Il y a tout. Je peux tout donner à quelqu'un, mais pas ma chair. Je ne donne pas ma chair à tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu que j'aime, que j'apprécie. Tu peux même être surpris, je passe une heure, deux heures de temps à les suivre. Mais pourquoi? Parce qu'il me fait rire. Mais je ne peux pas l'inviter et lui donner la chair pour qu'il prenne la parole devant le peuple de Dieu. Mais je peux l'inviter au restaurant, il peut dormir chez moi, je peux lui donner ma voiture pour qu'il fasse, c'est pas moi quoi, mais pas la chair. J'ai une question qui m'est venue en tête. Quel est votre soubassement biblique, enseignement biblique? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Je pourrais avoir le soubassement, le fondement, voilà. C'est ce que je cherchais dans mon esprit. Votre fondement. Puisque vous parlez de... Vous ne pouvez pas aller prêcher comme ça, demander à quelqu'un, ou quelqu'un ne peut pas venir comme ça, prêcher... je suis dans votre église et tout ça. Quel est votre fondement? Le fondement de votre parole. Vous êtes, elle est basée de quoi? Puisqu'il s'agit ici d'une question de fondement. Peut-être que l'autre n'a pas ces fondements que vous avez. Le soubassement ou cet appel que vous avez ici, il est peut-être différent. J'essaie de comprendre ta question. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Premièrement, il y a la question de l'authenticité de l'appel. Est-ce qu'il a un appel authentique à ce qu'il prétend être? Ça, c'est de un. S'il en a ou s'il n'en a pas, quelle est la doctrine qui ressort de sa bouche? Parce qu'il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Il faudrait que ce soit une personne dont la doctrine que je vais appeler ici, la sémence est semblable à ma sémence. La personne ne prêche pas tout ce que je prêche, moi non plus. Mais la sémence est dans la même lignée de la sainte doctrine. Je vais prendre un exemple. Si moi, par exemple, je ne sur base de l'écriture, je ne peux pas ordonner une femme à devenir, par exemple, c'est l'apôtre Paul. Et tout, par exemple, oui, ça c'est l'apôtre Paul, c'est biblique. Mais là, j'appelle quelqu'un qui, lui, il va ordonner les femmes, par exemple. Ça ne va pas marcher. Troisièmement, il faut que je connaisse la personne de telle sorte que même si dans certains points nous ne sommes pas de même avis, mais il y a ce qu'on appelle le respect ministériel. Tout à fait. C'est-à-dire, il vient chez moi, il sait que chez Martin, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, il ne croit pas en ceci, il ne croit pas en cela. Il y a des principes. Il reste sur le message du parvis. Tout à fait. Hein, la repentance, l'évangile et tout. Mais tu ne touches pas la doctrine. De même que moi, il y a des amis chez qui je prêche depuis 26 ans. Ils n'ont pas, dans certains points, la même doctrine que moi, mais leurs églises n'ont jamais été cassées.
On parle bien, on prêche bien, on travaille bien depuis plus de 26 ans, 27 ans. Pourquoi? Parce que je respecte. Il ne croit peut-être pas que à tel point, je ne viendrai jamais toucher ce point-là dans son assemblée. Même quand je donne cours et que les étudiants me posent la question là-dessus, je leur dis, quant à cette question, discutez avec votre père. Donc vous êtes basé, je crois, là, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Exactement. Ok, merci beaucoup, apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre? On va prendre une pause, mais ça ne sera pas une pause, ça sera, on va encore adorer le Seigneur, puisque nous sommes dans sa présence, j'ai sa grandeur. Hâte d'écouter ce bel. Alors, nous allons laisser à l'équipe de nous amener dans cette grande dimension de la grandeur de Dieu. Et par après, nous allons revenir ici pour continuer avec plusieurs questions. Fort, l'honneur
temps de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la louange, la sagesse. Merci beaucoup pour cette très belle chanson qui nous a amené encore une fois de plus dans la présence de Dieu. Je reviens vers vous, apôtre Martin, notre invité spécial de JVD Télévision. Nous sommes très honorés de vous avoir ici avec vous en échange certainement sur tout ce que je venais de dire récemment. Lorsque je vous ai posé quelques questions, j'ose croire que vous m'aviez dit que vous étiez aussi enseignant. Oui. Vous enseignez la parole de Dieu. Dans les écoles bibliques. Dans les écoles bibliques. Alors, ceux qui nous suivent, parce que je viens d'avoir un message là avec nos collègues de par-ci par-là, nos amis qui sont qui vous suivent de partout. Ah bon, ça se passe en direct? Oui, ça se passe en direct. Alors, ils m'ont dit de vous poser une question pour savoir, est-ce que vous pouvez leur parler de l'eschatologie? Étymologiquement, l'eschatologie et... donner un peu plus de détails par rapport à cela, puisqu'ils veulent aussi apprendre de l'apôtre Martin. Ils ont un petit peu quelques confusions. Est-ce que l'eschatologie est certainement la théologie, ou c'est une partie de la théologie? Est-ce que ce qui est appris à l'eschatologie est certainement ce qui est de la théologie? Toutes ces différences pourraient peut-être permettre à ceux qui nous suivent d'avoir un peu de lumière là où il y a les ténèbres. Dans la faculté de théologie, il y a beaucoup de branches. Il y a je ne vais pas tout énumérer. Mm-hmm. Il y a la théologie de l'Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testament, la théologie pastorale, la théologie pratique, ainsi de suite. Et il y a ce qu'on appelle la théologie systématique. Mm-hmm. La théologie systématique est considérée comme être la colonne vertébrale de la faculté même, de la science, hein, de la théologie. Mm-hmm. La théologie, ce n'est rien d'autre que les discours de Dieu envers l'homme et de l'homme envers Dieu. Hein? Donc le discours de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Et la réponse de l'homme au discours de Dieu, c'est ça la théologie. Maintenant, dans cette branche qu'on appelle la théologie systématique, on appelle la colonne vertébrale parce que c'est là que vous avez, n'est-ce pas, presque tous les logos, tous les logis, hein, toutes les sciences de la théologie. Vous avez le cours comme la sotériologie, qui est le cours qui parle du plan du salut divin. Vous avez le cours comme l'ecclésiologie, qui parle de l'organisation, de l'essence, de l'organisation, du fonctionnement de l'Église. Vous avez le cours comme la pneumatologie, qui parle du Saint-Esprit, le pneuma, le souffle de Dieu. Vous avez le cours comme l'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu dit de l'homme, l'anthropologie. Vous avez plusieurs de ces cours. Entre autres, il y a la christologie, hein, la science, entre guillemets, qui étudie la personne de Christ. Et là, le point très, très, très capital, d'ailleurs, dans la théologie évangélique. Et donc, vous avez l'eschatologie. L'eschatologie, c'est en deux mots, eschatos, qui signifie les événements futurs, et logos, qui signifie science ou étude. Donc, l'eschatologie n'est rien d'autre que l'étude des événements futurs, qu'on appelle communément la prophétie. Ah, ouais. Ça c'est pour ceux qui ont... parce qu'il y a, je crois, 5 ministères, 4, 5, 7... Il y a 5 ministères, il y en a de ceux qui disent qu'il y en a 4. Ceux qui disent qu'il y a 4, ils disent qu'il y a 4 ministères parce qu'ils considèrent que la conjonction de coordination qui lie le pasteur et le docteur
1 font de deux un seul ministère. Dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. À cause de cela, de cette conjonction de corrélation, il y a des gens qui pensent que pasteur et docteur, c'est la même personne. Mais nous disons, il y a cinq ministères. Parce que le ministère, c'est d'abord une affaire de cœur. Il est vrai que tout pasteur doit être un enseignant. Sinon, pourquoi il est pasteur? Parce que le pasteur a pour mission de paître les brebis. Et il va les paître avec quoi? Avec la connaissance de la parole. Il ne suffit pas d'avoir un bon cœur, d'être tout. Il doit avoir la connaissance de la parole. Mais parce que le ministère, c'est une affaire de cœur, pas tout docteur a le cœur de pasteur. Donc nous disons, il y a cinq ministères. Et parmi les cinq ministères, il y a le prophète. Maintenant, le prophète ici n'est pas à confondre avec l'eschatologue. L'eschatologue, je peux être eschatologue sans être prophète. C'est-à-dire, je connais, je maîtrise l'étude, la lecture, le discours, des choses prophétiques. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prophète vient, il parle à quelqu'un, Dieu m'a dit ça, 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 ça. Et donc, vous qui maîtrisez cette étude de l'eschatologie, vous pourrez peut-être avoir des orientations par rapport à ce que Dieu a dit ou essayer de remettre certaines choses sur le rail et tout ça. Et c'est par rapport à ça ou... Non. Dans la Bible, il y a le discours, une partie, le grand discours, qui concerne les événements à venir. Vous voyez ? Par exemple, comme en Apocalypse, avec l'Apocalypse, Daniel et ainsi de suite. Tout à fait. Ce sont des événements qui vont arriver 10 ans, 15 ans, un siècle, deux siècles plus tard, mais qui ont été annoncés avant. Tout à fait. Maintenant, les scatologues nous donnent les principes, les règles par lesquelles nous pouvons étudier ce texte, comprendre ce texte par rapport à Israël, par rapport aux nations et par rapport à l'Église. Tout à fait. Mais le prophète, c'est celui qui, ça dépend. Il y a le prophète de don et il y a le prophète de ministère. Un prophète de ministère, il a reçu l'appel de Dieu. Un prophète de don, il n'a pas l'appel de don de Dieu, mais il a le don du Saint-Esprit. C'est différent. Et être prophète ne veut pas dire... Il faut tout situer. Quand un prophète de ministère, hein, ce n'est pas celui qui vient dire « Nzamba Zalewa, Namouni, ma soeur, Namouni, Nzambe, Bezazanayo ». Non, ça, ce n'est même pas la prophétie. Ça, ce n'est même pas la prophétie. C'est que nous vivons ici, certainement. En Europe aussi, alors. Ce n'est pas ça la prophétie. J'ai remarqué, on appelle les gens prophètes parce que et puis le la fièvre. Ça, ce n'est même pas la prophétie. Si tout ce qu'il a dit est vrai, c'est la parole de connaissance. Et on n'est pas prophète parce qu'on a le don des paroles de connaissance ou le don des paroles de prophétie. On est prophète parce qu'on a reçu l'appel. Écoutez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4. Il a donné les uns comme. Vous comprenez? Ouais, ouais. Comme. C'est une comparaison. Tout à fait. C'est-à-dire, je ne suis même pas le vrai apôtre. Je suis comme un apôtre. Tout à fait. Parce que le vrai apôtre, c'est Christ. L'autre est comme prophète. Parce que le vrai prophète, c'est Christ. Tout à fait. Il y a des gens, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, et il a réparti les dons selon la mesure des grâces. Celui qui est descendu et celui qui est remonté. En montant, il a pris avec lui les captifs. Il est monté avec les captifs. Et quand il est arrivé là, avec les captifs, il prend un captif, il le libère et il le donne à l'église comme don. Donc, ce sont les dons qu'on appelle les domas, les domata. Ils ne sont pas les charismes. Il y a les prophéties de 1 Corinthiens chapitre 12. Hein, ça, ce sont les charismes. Mais Éphésiens chapitre 4, ce sont les dons. C'est-à-dire, c'est un homme qui est un don. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est un homme qui a reçu un don. Il y a une différence entre être un don et avoir un don. Parfait. Ouais. Et l'eschatologie, c'est une science. Quels sont les principes qui régissent la lecture et la compréhension
des événements du futur. C'est cela qu'on appelle eschatologie. Donc, du coup, tu peux faire le cours d'eschatologie avec moi, eschatologie 1, eschatologie 2, eschatologie 3, tu maîtrises les cours et tu donnes le cours d'eschatologie. Mais tu n'es pas prophète, tu n'es pas nécessairement un grand eschatologue, mais tu donnes le cours d'eschatologie. Merci à Apôtre Paul. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'apôtre Paul? Martin, pardon. Je vous ai apporté Paulet. Apôtre Paul. En tout cas, ça m'est venu en esprit. On arrive presque à la fin de cette émission. Parlons certainement de ce que nous venons récemment de dire. Il y a certains... Est-ce que les hommes de Dieu peuvent aussi faire de la politique? Ça, c'est primo. Deuxièmement, est-ce que lorsqu'un homme de Dieu fait de la politique, n'y a-t-il pas un risque à ces hommes-là de pouvoir mélanger entre la parole de Dieu et aussi la politique, puisque la politique apparemment elle devient un petit peu trop sale en République démocratique du Congo. Il y a certains hommes de Dieu qui sont salis lorsqu'ils font automatiquement de la politique. Ici je ne voudrais pas citer les noms de gens puisque nous n'allons pas les faire, c'est une émission pédagogique, elle est aussi quand même orientée avec la déontologie, ouais, on va respecter certainement cela, pour ne pas être dans les guéguerres et ça ne nous intéresse pas. Alors, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il faire de la politique? Tu me donnes combien de minutes pour répondre à cette question? Vous avez votre temps. C'est vrai? À moins que mon réalisateur puisse me faire signe, mais vous avez votre temps. Ok. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je vais commencer par ceci. Bibliquement, bibliquement, la première chose que Dieu a donnée à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, c'était la gestion d'une cité. Je répète. Quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé un humain. Dans cet humain, il y avait l'homme et la femme. Genèse 1. Dans Genèse 2, il prend l'humain partie homme. Il le façonne, il le met, il lui donne une responsabilité. Donc la première mission, la première responsabilité, le premier fardeau, la première charge que Dieu a donné à l'homme, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, c'est de gérer une cité. Cette cité s'appelait Jardin d'Eden. Tout à fait. Je veux dire en passant, le plus grand don terrestre que Dieu donne à l'homme, c'est la terre. Or, la politique n'est rien d'autre que l'étude de la gestion de la cité. Tout à fait. Quels sont ses besoins primaires? Il y a à manger, à boire, la santé, l'éducation, la sécurité et toutes ces choses. Tout à fait. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour dire que dans un premier temps, sur le plan étymologique et biblique, il n'y a rien de sorcier dans la politique. Parce que on se pose la question, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Tout simplement parce que la politique a pris une très mauvaise connotation. Tout à fait. Qui parle politique parle mensonge. Qui parle politique parle mafioso. Qui parle politique parle de menteur. Qui parle politique parle de magouille. Qui parle politique parle franc-maçon. Qui parle politique parle rosicrucien. Qui parle politique parle fétiche. Mais au départ, quand Dieu a donné à l'homme, pourquoi il a créé l'homme? Je ne vais pas vous amener dans des grandes philosophies, mais je pense que vous êtes sans ignorer que dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. » Ce ciel et cette terre que Dieu avait créé avaient été détruits. Ouais. Maintenant, nous venons dans le chapitre 2. Dans ce premier ciel et terre, je suppose, moi, qu'il n'y avait pas l'homme. Sinon, on allait dire « Et Dieu créa le ciel et la terre et les hommes. » Mais on a dit Dieu créa les cieux et la terre. Donc il n'y avait pas l'homme. Et le diable est venu et l'a détruit. Ses premiers cieux et ses premières terres. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, chapitre 1, le verset 2, la Bible ne dit pas que Dieu créa. Dans Hébreu, la Bible dit, et Dieu
a trouvé qu'il y avait des choses qui étaient informes et vides. Pour que quelque chose soit informe, il faut que cette chose existe. Existe, tout à fait. Pour qu'il y ait un vide, il faut qu'il y ait un lieu qui a été comblé et qui a été vidé. Donc, à partir du verset 2, Dieu ne crée pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il redonne la forme à ce qui avait existé, que le diable avait cassé, et il remplit les vides que le diable avait causé. Maintenant, suivez-moi. Maintenant, pour éviter que le diable revienne encore créer des problèmes, là, je crois que c'est le 26e acte que Dieu a posé. Il a dit, maintenant je vais prendre un homme qui est semblable à moi, qui est à mon image, pour gérer afin que le diable ne vienne plus détruire. Donc le diable avait déjà détruit bien avant, et le Seigneur est venu, Dieu est venu les réorganiser. Si vous c'est comme si tu ne m'as pas suivi. Si, je vous ai très bien, je vous ai très bien suivi. Très bien. Donc nous sommes là au deuxième monde. Le premier monde détruit. Détruit, oui. Dieu commence au verset 2, il ne crée pas le deuxième monde, il refait. Tout à fait. C'est différent, hein? Refaire et voilà pourquoi j'ai parlé de réorganiser. Très bien. Donc, il a commencé à remettre en place ce qui n'était plus en place, combler le vide qu'il y avait. Tout à fait. Que la lumière soit. Voilà. Ainsi de suite. Il a commencé à combler, à mettre les choses en place. Maintenant, à la fin de tout cela, il a dit, je veux rajouter quelque chose que je n'avais pas fait la fin passée. Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Non. Je prends maintenant un homme pour qu'il puisse faire la politique. De gérer. De gérer. Et garder. Et de garder. C'est ça le politicien. Il doit gérer. Dans la gestion, il y a beaucoup d'éléments. L'organisation. Il y a l'organisation, il y a la planification, il y a l'administration. Le cinquième élément, c'est le contrôle. Tout à fait. Ce qui nous manque trop souvent. Là, maintenant, nous sommes dans la politique de la gestion des Misberg. Très bien. Hein? J'ai mes petits diplômes dans la gestion des ressources humaines. Tout c'est tout pourquoi. Et il donne la gestion. Genèse chapitre 6. Les hommes vont, les esprits viennent d'en haut. Ils trouvent que nos filles étaient très jolies. Ils vont voir, ils vont s'accoupler, ils vont avoir des rapports. Ils vont créer des faux humains. Des humains qui ne viennent pas à 100% d'Adam. Mais des humains qui viennent des esprits. Tout à fait. 50% esprits et 50% hommes. Tout à fait. Ce sont des faux humains. Et les faux humains existent jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Ce sont des gens qui sont extrêmement sadiques. Ils peuvent couper le cou de quelqu'un, ça ne lui dit rien. Ce sont des faux humains. C'est-à-dire parmi tous ceux qui se promènent là, il y a des vrais humains qui sont descendants d'Adam. Et il y a des faux humains. Parce que ce sont eux qui ont amené l'homosexualité, la pédophilie, la sodomie. Ce sont eux. Les faux humains. À cause de faux humains et de la méchanceté, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va détruire encore le monde par les eaux de l'élige. Non, alors ok. Parfait, il détruit le monde par les eaux de l'élige. Quand il détruit le monde par les eaux de l'élige, avec Noé. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il épargne Noé. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut plus créer encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Au chapitre 9, au verset 1, Dieu dit, je crois, chapitre 9, le chapitre 8, il dit, Noé maintenant sort. Toi sors et fais sortir tout ce qui est dans l'âge. Quand il est sorti, qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Il a dit, il a déclaré les mêmes paroles de bénédiction qu'il avait déclarées à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est-à-dire, c'est pourquoi il avait demandé qu'il le fasse entrer deux. Puisque avant... Bon, ça c'est un autre domaine. Et donc, il refait encore le monde. Maintenant, il donne encore ce monde-là sous la gestion de qui? De l'homme. Qu'est-ce que Noé devait faire? La politique. Tout à fait. Du coup, qui font la politique jusque-là? Ce sont les hommes que Dieu a choisis. Tout à fait. Et les faux humains viennent gâter ceux-là que Dieu a établi. Ma réponse, je peux encore te conduire comme ça partout. Parce que même le mot église, dans son sens de l'assemblée, ça représente un parlement. Un ecclésia, c'est l'ensemble des gens qui ont été tirés de la population et sont entrés dans une assemblée pour gérer la cité. On appelle l'assemblée des saints. Non, c'est comme le parlement. Ok. Parce que le mot assemblée, ce n'est pas un mot spirituel. C'est un mot tiré de l'organisation sociopolitique grecque.
tout à fait. Que Dieu a emprunté pour l'Église. Mm-hmm. Donc l'Église a un rôle à jouer dans la société et dans la politique, dans l'économie, dans le développement du pays. Dans le développement du pays. D'ailleurs, Martin Luther disait, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, l'allemand le réformiste, il disait que l'Église qui ne donne pas de réponse aux besoins de la société, de son pays, de sa nation, a échoué dans sa mission. Mais remarquez une chose, ce n'est pas tout enfant de Dieu qui faisait la politique. Ma réponse, un enfant de Dieu, un homme de Dieu peut faire la politique s'il en a la vocation. Moi qui vous parle, j'en ai la vocation. Ne soyez pas surpris si un jour on vous complique pour me voir. Merci beaucoup, apôtre Martin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la politique? Et d'ailleurs, je crois dans le cadre de notre pays, la République démocratique du Congo, qui fait partie, je vais encore troubler les gens ici, qui fait partie de ce qu'on appelait Éden. Là où Adam et Ève avaient été créés. Où réside la plus grande partie de toutes les richesses du monde. Ce pays qui est un don de Dieu. Ce pays qui probablement est rempli du plus grand pourcentage de vrais juifs. Parce que le vrai juif, on continue à le prouver que ce ne sont pas des blancs, ce sont des noirs. Parce que le peuple sémite, Noé avait eu trois fils. Cham, Japheth. Cham avait la peau noire. Sem avait la peau noire. Mais Japheth était comme un ambiance. Comme un blanc. Donc si tel est le cas, tous les descendants de sémites doivent être des noirs. C'est-à-dire, les Abraham et tout le monde, et tout ce monde-là, ils étaient des noirs. Les Jacob étaient des noirs. Et ainsi de suite, étaient des noirs. Donc, il y a une forte probabilité que ici, réunis, nous appelons les Balouba, les Juifs. Peut-être pour rire. Mais ils peuvent faire partie des vrais Juifs, parce que les vrais Juifs sont en grande partie les Bantous. Donc vous comprenez quand on parle de tout cela, si tout cela s'avère vrai, donc nous sommes dans le pays de Dieu et nous sommes le véritable peuple de Dieu. Comment pouvons-nous laisser la République démocratique du Congo, qui est un pays de Dieu, une terre de Dieu, être gérée par ceux qui ne sont pas de Dieu? Je vais dire encore un autre élément et je te laisse la parole. Pas moins de 85% de la population va à l'église. Tout à fait. Pas moins de 85% de la population congolaise est chrétienne. Je voyageais dans le monde, dans plus de 35 pays au monde, en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique. Plus de 35 pays. Je connais plus de 200 villes, grandes villes au monde. Je n'ai pas encore été quelque part où les gens prient comme au Congo. En bien ou en mal, sincèrement ou sans sincérité, mais je n'ai pas encore vu quelque part où les gens prient comme au Congo. Si tel est le cas, s'il est vrai que 85% de la population va à l'église, donc c'est l'église qui a le pouvoir. Tout à fait. Parce que le pouvoir émane du peuple. Donc ce peuple-là, c'est l'église qui a le pouvoir. Si c'est l'église qui a le pouvoir, il faudrait que l'église ressorte de l'église, regorge des hommes qui ont la vocation, les espèces de Noé, de David et autres, pour qu'ils gèrent le pays. Et s'ils connaissent Dieu, ils feront des erreurs. Mais le peuple ne souffrira pas comme le peuple a toujours souffert jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je soutiens mon ami de l'école, il ne me connaît pas, il ne me connaît plus, mon ami de l'école, Félix Tshisekedi, qui a dédié le pays entre les mains de Dieu. C'est déjà un homme de bon cœur. Déjà un homme de bon cœur, de nature, il est bon. Il a les soucis de faire bien de bonnes choses. En tout cas, jusque-là, tout montre que les indices, c'est un enfant de Dieu. L'un de ses pasteurs, son conseiller, et mon frère, mon ami, avec qui on parle beaucoup, on partage quand même. Et je crois que le pays est en train d'aller dans cette voie-là où un jour, il faudrait que le roi respecte le prophète.
que le prophète soit au-dessus du roi. Merci beaucoup, apôtre Martin. On peut applaudir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a beaucoup à parler, on a beaucoup à dire, mais les temps nous arrêtent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais je crois qu'on va encore un autre jour demander encore cette permission de pouvoir encore échanger avec l'apôtre, puisqu'il y a beaucoup à dire, il y a vraiment trop à dire. Mais nous aurons quand même cette chance-là de pouvoir organiser. Plus vous me provoquez, plus je parle. Nous aurons le temps de l'organiser. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous être fidèles. Continuez à vous abonner massivement pour ne rien rater de ce que votre chaîne vous propose. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'émission La Grandeur avec, comme nous avons réussi, l'homme de Dieu, l'apôtre Martin, avec qui on a discuté sur la parole de Dieu, sur la politique, sur tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez à écouter, à comprendre. Merci beaucoup. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. La suite au prochain numéro. Et je ne sais pas si il faudrait donner votre numéro. Ça, je ne sais pas. Ça dépendra de vous. Non, qui me contacte par vous. D'accord. Et essayez de nous appeler si vous voulez que l'apôtre, si vous voulez qu'il y ait l'apôtre, parle, discute avec vous, vous avez des problèmes, etc. N'oubliez pas de nous écrire là. Et nous allons certainement parler à l'apôtre, dire ce qui est, ce que vous demandez. Et d'ici là, portez-vous bien. Et merci beaucoup sur Jubilee Télévision. Qu'il me soit permis de pouvoir remercier toute l'équipe technique, l'équipe d'adoration, les louanges qui nous a accompagnés dans ce programme, mais aussi de remercier mon ami d'enfance et mon fils spirituel qui est responsable de cette chaîne de télévision. Le bien-aimé évangéliste Julio, qui nous est là, vraiment que Dieu le bénisse, lui, son épouse. Je suis aussi parrain de leur mariage. Okay. Donc que Dieu le bénisse, bénisse son épouse, et vraiment que Dieu soit. Nous allons nous séparer avec une chanson, si possible. Ça, que, vraiment, vous puisque nous étions bon dans la grandeur de Dieu, on ne peut pas sortir sans l'adorer. Et puis, vous allez profiter pendant ces temps de cette adoration, peut-être clôturer avec une prière pour que. Merci, avec plaisir. Enchaîné. Na bonne et l'autre côté.
na bonge lo kote, na bonge lo kote. I saw run to you, to you. Père, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ, notre paraclet, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pont que tu as établi entre le divin et l'homme, entre l'invisible et le visible, entre le Créateur et sa créature. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces beaux moments que nous avons passés ensemble. Grâce te soit rendue et les futurs déclarent non pas à nous, non pas à nous, mais qu'à toi seul revienne toute la gloire. Pour tout ce que nous avons pu partager en termes d'adoration, de chant, comme en termes de parole, de connaissance, Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, bénis tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont suivis et qui continuent à nous suivre. Que ne fût-ce qu'une parole, Seigneur, un mot, puisse toucher quelqu'un afin que tous nous puissions revenir à toi, car les temps sont fâcheux. Seigneur, tous les signes, Seigneur, qui annoncent ton retour sont visibles. Seigneur, nous te prions. Ne permets pas que nous qui sommes déjà dans le Seigneur, nous puissions rater l'enlèvement de l'Église. Garde-nous et protège-nous, garde-nous purs pour toi, garde-nous saints à toi, garde-nous attachés à toi, garde-nous fidèles à toi. Et ceux qui n'ont pas encore fait le pas vers toi, Seigneur, il n'y a que toi qui peux toucher les cœurs et ramener les âmes vers toi. Fais-le, Seigneur, pour ta seule gloire, afin que ton royaume s'en remplisse de ta famille et que le monde de l'ennemi soit dépeuplé. Père, je bénis l'évangéliste Gilles, je bénis sa famille. Je bénis toute cette équipe qui travaille avec lui, Seigneur, pour ta gloire. Que ce soit sur le plan technique, sur le plan, Seigneur, journalistique, sur le plan de groupe de louange et d'adoration. Tout ce moment, toute cette équipe, bénis, Seigneur, bénis-nous. Fais en sorte que, Seigneur, aucun de nous ne puisse rater le son de la trompette. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus, et tous les saints disent Amen. Amen.